Yo l'équipe, j'espère vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va faire du coller 1v1 pour changer un petit peu et surtout pour gratter un petit peu de colistons les gars. Regardez, on a 6000 colistons les gars, 100 000, putain les gars, c'est à peu près, je dirais, 42 millions. En ce moment les gars, les brésiliens, ça coûte un petit peu moins cher, genre c'est 300 000 kama l'unité. Donc voilà, c'est à peu près 42 millions. Et surtout pour changer un petit peu les gars. Donc voilà les gars, on est contre une trophe. J'ai mis les petits office cauchemar pour prendre une initiative. Pourquoi pas. Allez, on est prêt. Putain, il a l'initiative. 47 terres, 50% R les gars. Putain, c'est abusé. Franchement, je comprends pas pourquoi les gars, les gens abusent comme ça. Vraiment, je ne sais pas. Pourtant, j'ai pas beaucoup de codes, les gars. Je ne sais pas, c'est les games de classement, donc je ne sais pas combien de codes j'ai. Est-ce que double arnaque ça tue? Normalement, non. Donc, je vais claquer un petit cac. Allez, toi, bye bye. Donc, j'ai 3 P1. Je vais mettre la toxine. Un petit double pour lui casser les couilles et je passe. Je mets le double juste ici les gars, il ne peut pas bouger, ça fait plaisir. Donc il a un petit abyssal, un petit ocre. En plus de ça, il a un petit volbis et des full opté les gars. Il tape rien. Bon les gars, il gratte quelques point de vie, pourquoi pas. Pelle des anciens, il est haut les gars, il est haut. Ok, il a pris la petite toxine, donc je vais méprise, c'est sûr. Je vais faire marque mortuaire pour les aussi obligatoire les gars. Putain, ça casse les pieds, le sac. Aïe, 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 aïe. Je vais mettre l'injection toxique. Tant pis, les gars. Tant pis, tant pis. Je vais mettre l'injection toxique. Comme ça, il va prendre genre 350 x 3 sur l'érosion. Donc, voilà. Je vais cacher juste ici. Le coffre, les gars, il va me faire trop de dégâts. Donc, j'avance le double. Ok, il a toujours les gars, Volbis, clé de trésor moins CPO, ok, une full tac, ok, ok, pourquoi pas. Je vais kill cette con. Oui, ça kill, ça fait plaisir les gars. Allez, bye bye toi, je vais... j'aimerais bien de mettre marque mortuaire avant l'invisibilité, mais bon, allez, tant pis les gars. J'ai plus de PO, j'avance juste un petit peu pour faire un petit piège répulsif, un petit dérive. Putain les gars, je me suis placé dans un endroit franchement obvious. Mais bon, ce n'est pas grave. Pourquoi il est mort? Pourquoi le sac il est mort les gars? Je comprends pas, il m'a trouvé. Voilà, il va soin. Je me suis placé dans un endroit de con les gars, franchement. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, une full tag. Il est pas ouf, j'ai l'impression les gars. C'est une trophe, franchement, il est pas vraiment ouf. Je vais déclencher un piège pour l'injection toxique. Voilà, je mets l'injection toxique, je mets l'épidémie et j'ai 2 PA les gars. Je vais rester juste ici. Je prends le shield, ça fait plaisir. Il a 3500 PV max. Ok, ok, il a pris le double injection toxique, il va me trouver, parfait.
l'essentiel, il va pas me roxer dans ce tour là. Il faut soin. Ok, il va prendre l'épidémie, ça fait plaisir les gars. Ok, je vais faire quoi? Je vais taper en brute les gars. Putain le sac, c'est très chiant les gars. Je mets un petit épidémie. Le sac, il est pas mort. Un petit flamish, il va dead, je pense. Parfait. Voilà les gars, plus de sac. Prochain tour les gars, s'il ne tue pas, je pense je vais le tuer. Il a 50% R les gars, plus 25% rest fixe. Aïe 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 les gars, c'est très très chiant. Je pense c'est mort les gars. Je pense clairement c'est mort malheureusement. Voilà les gars, pour le premier combat, 50% R, 48% terre les gars, c'est très très chiant, les neutrophes, donc voilà pour ce combat. Allez, on se retrouve pour le deuxième combat. Re les gars, voilà, on est contre un Feka, voilà, Feka contre Sram les gars, normalement, c'est facile, c'est vraiment facile contre le Sram. De toute façon, on verra les gars, ça fait ultra longtemps que je n'ai pas fait de coller, donc c'est normal si je lose ou bien si je fais des erreurs. C'est son aîné, alors pourquoi il me dit ça? 6000 aînés, easy. Je comprends pas les gars, bon, je mets prêt. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Pourquoi il me dit ça? J'ai pas compris les gars. Je balance le double, bien sûr, c'est la base. Un petit piège répulsif juste ici, un petit piège de dérive et ah oui, pas mal. Bon les gars, il est vraiment bizarre. On s'en fout. Donc je vais déclencher le répu. Ok, et je crois. Il a quoi comme reste déjà? 30%. Ouh! Il a pas de temps, les gars. Il a vraiment pas de temps. Fortification. On s'en fout de fortification. Je vais le pousser. Attendez, les gars. Je vais faire un petit truc comme ça. Ah, j'ai 4 PA, putain. Est-ce que 1, 2, 3, 4. Attendez, les gars. Je vais mettre un petit truc juste ici et je vais cacher. Il dit quoi, putain, ce con fort, je ne sais pas les gars. Bon, on s'en fout, je passe. Je vais le attirer avec le pied scélérat, donc il va claquer la libération, ça fait vraiment plaisir. Il prend 500 de dégâts les gars, 500. Ok. Je pense les gars, le prochain tour, je vais mettre l'injection toxique. Et là encore la toxine, ça fait plaisir. Ok. Bon les gars, je ne sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que les gars, attendez, je réfléchis 2 secondes. Je vais double arnaque. Voilà, un petit méprise et je casse juste ici. Parfait les gars, très très bon tour. Il prend encore presque 600 de l'injection toxique et notre bouclier de Feka. Les gars, ça sert à rien les boucliers contre les poisons. Je comprends pas pourquoi il fait les boucliers. De toute façon, il est un petit peu bizarre. Flamme littérale, ok. Il a 5 PM. Tension 700. Il a pris 400 les gars, 470 de la toxine. Donc je vais déclencher un piège pour mettre une injection toxique. Voilà, un petit injection toxique. En plus de ça, ça booste la toxine. Je vais faire un petit invisibilité, manigance pour booster les poisons. Et voilà les gars, il peut vraiment rien faire. Je suis désolé, mec, c'est comme ça le jeu.
1000, les gars, regardez, 1000 sons de poison. Il peut rien faire, le pauvre. Il essaie de me trouver. Non, il va jamais me trouver. Je suis juste à côté de lui. Il va pas penser que je suis là. Moi, un PA, ok. Il est mort, les gars. Il va prendre 500 de toxines. Double arnaque, il est mort. Il a fait quoi? Interaxé, ok. Est-ce que ça tue ou pas? Attends. Bon, les gars. Il est mort, double arnaque, il est mort. Voilà les gars, le pauvre, il peut rien faire. C'est comme ça le jeu, les gars. Désolé, mec. Voilà les gars, pour le deuxième combat, on se retrouve pour le dernier combat. Re les gars, on est contre un petit steamer. Ok, steamer. Bon les gars, c'est, je dirais, 50-50. On va voir, on va voir. J'espère qu'il n'est pas d'Oku. Sinon, c'est très très chiant. Il va avoir genre 5000 PV. C'est contre, c'est très très chiant, les gars. Les steamers d'Oku. Donc, ouh, j'adore cette map, les gars. Regardez, c'est vraiment stylé. J'aime bien. Ok, on est prêt. Je prends l'initiative. Et les quoi? Non, les gars. Tiens, regardez les races. Pourquoi? Putain, 42 R, 47 O, 47 R. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment chiant, les gars. Bon, les gars, je déclenche quelques pièges pour booster l'érosion. On doit mettre l'héros. Je mets un petit piège répulsif ici pour après. Et je balance le double pour un petit méprise après. On verra, on verra. Donc, je déclenche les deux pièges. Voilà. Il va mettre le truc là. Parfait. Et après, regardez les gars, même pas 200 de dégâts. C'est abusé. 42% R. Je pense il va avancer à fond. Voilà, il va attirer les trucs. Ok. Aspiration, évolution. Ok. Je prends quelques dégâts. Est-ce que je mets double arnaque, petit héros les gars, c'est obligatoire, sinon c'est très très chiant. Double arnaque, un petit pillage répulsif ici, oui juste ici, et je vais cacher. Voilà, voilà, excellent les gars. Donc je balance le double vers le haut pour un petit potentiellement méprise après. Excellent. Je vais prendre les gars 1500 de dégâts. Pas de crit, c'est parfait. Ah, il joue son art, les gars. Il joue son art, c'est parfait. C'est excellent. Je continue, les gars. Double arnaque. Sur l'érosion, les gars. Un petit. Une petite flammiche, allez, une petite flammiche, c'est gratuit. Un petit méprise, excellent, et je cache juste ici. Il va prendre genre 300 de dégâts, pourquoi pas. 600, putain les gars, 600 de dégâts sur 42%. En plus, il est érodé. Il est plus érodé maintenant. Non, si les gars, il est 25% d'héros, ça fait plaisir. Il fait quoi? Il peut rien faire, donc il fait des conneries, les gars. C'est normal, il peut rien faire. Je vais faire quoi? Pourquoi il fait ça? Ah, pour le truc, les gars, pour s'atterrir jusqu'à ici, je crois. Donc, je vais mettre. Je vais mettre un petit truc comme ça. Un petit piège comme ça. Donc il va s'atterrir. Il va être là. Attendez les gars. 1, 2, 3. Il va être ici.
Je mets un petit piège les gars pour booster les ronds, j'ai rien d'autre à faire. Allez, je mets un petit piège ici et un petit manigance, parfait. Ah merde les gars, merde, c'est pas grave, je prends vraiment pas beaucoup de dégâts, j'ai 31%. Ok, moins 500, moins 600 dommages les gars, c'est très chiant. 60 dommages pardon les gars, je dis n'importe quoi. Petit flammé, je mets l'érosion. Un petit injection toxique. Est-ce que j'ai mis l'érosion? Oui, voilà. Un petit invisibilité. Je déclenche le pillage pour après. Et je vais finir juste ici. Voilà. Voilà. Il prend 300 de dégâts sur l'érosion. C'est parfait. Il tente de me trouver. Non, il va jamais me trouver, je pense. Aïe, aïe, les gars, c'est pas loin. Franchement, c'est pas loin. Il fait quoi? Évolution. 25 dommages, 40 dommages poussés. Bon, on s'en fout. Je vais mettre la toxine. Un petit épidémie. Un petit piège répulsif. Et je go, les gars. Excellent. J'ai encore un petit 2 PA. Et je vais finir juste ici. Très bon tour, les gars. Très bon tour. J'ai la relance de injection toxique. Il essaie de me trouver. Non, il va pas me trouver. Après, je pense, je balance le double. Je mets l'érosion. Ça, c'est sûr. Il fait quoi? Son or. Il essaie de me trouver. Non. Parfait les gars, il va prendre l'épidémie deux fois, c'est très cool. Voilà, il a encore l'épidémie. Putain, il est full V à cause de cette merde. Je vais faire quoi? Je vais l'érosion. Un petit, est-ce qu'il a la toxine? Oui, donc je dois déclencher un petit piège. Je vais encore mettre l'épidémie, comme ça il va prendre double épidémie les gars, et je vais cacher juste ici. Très bien. Voilà, la toxine est boostée. Je passe. Il va prendre double épidémie les gars. Sur l'érosion, ça fait vraiment plaisir. Combien d'héros déjà? 25% pour 2 PA les gars, ça fait vraiment plaisir. C'est puissant, j'adore. Ok, récursivité. Pourquoi il a tué la gardienne, les gars? Je ne sais pas pourquoi il a tué la gardienne. Ok, parfait les gars, ça va prendre encore l'épidémie. Il est full épidémie. PTDR. Bon les gars, je pense je vais aller. Double arnaque sur l'érosion. Est-ce que oui, voilà, il a toujours les ronds de la toxine, l'épidémie, ça fait vraiment plaisir. Je pense je vais flammer et un petit méprise pour lui casser les pieds. Et je vais cacher avec le double. Parfait les gars, franchement très bon tour. Pour m'avoir, il va voir la Diago ici, sinon il peut pas m'avoir. Voilà, il a utilisé full PM pour m'avoir. Est-ce qu'il a des poisons? Non, il a juste un petit toxine. Regardez les gars, 42%. Il a combien de PV max? 2700. Je le tue, sinon il me tue les gars, donc il va être... Aïe, 2500. Est-ce que je fais le 2700? Double arnaque. Oui, ça fait les gars, avec le double.
Est-ce que il fait les 2 milligrammes? GG. GG Pro. Est-ce que il fait les 200 dégâts le double? Je ne sais pas. Normalement, j'ai déclenché quelques pillages, mais je ne sais pas, les gars. Est-ce qu'il fait les dégâts? Non. Putain, les gars. 22 PV. Merde, les gars. C'était un très très bon combat. Bon combat, par contre. De toute façon, voilà. J'aime bien, les gars. J'aime bien. Même si je perds, c'est pas grave, bro. Pas grave. Bon combat. Voilà, voilà, les gars. Pour cet combat, c'était vraiment cool. Franchement, Vita4, il joue agressivement. Il casse pas les couilles. Genre, il tombe au pas, il avance direct. Franchement, très très bon combat. Voilà les gars pour les trois combats. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.